Good morgen, allez, Iden et Sutre aujourd'hui le nuit, Shmat Chaya Esther Bat Miriam, c'est que dire Fouat Olivier, Israël Shimon Ben Chaya Esther, Ramchat Miriam Bat Ozedena et Binyamin Ben Chabiba Betor Shar Chol Israël. Si vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Mishnah, contactez la Sainte Minute Éternelle. Nous étudions la Sechat Shabbat, Prekrav Dalet, Mishnah Aleph. Meshe Yirshich Baderech Noten Kisol Nochri, Vimen Imo Nochri, Manichu Alachamo, Igia Lechaser Achitzona, Notel Atakeli Manitalin Beshabbat. ושאינן ניתנים בשבת מתיר את החבלים והסכין נופלים מאליהם. On commence à traduire directement, on est dans le dernier périque de Shabbat, avec « Mi shehirshich baderech » Celui qui était sur la route, et il a eu la nuit qui a commencé à tomber. Vendredi après-midi, il a voyagé tout le vendredi, il n'a pas réussi à atteindre bon port, et il est en plein désert, il est obligé de continuer à avancer. Maintenant, il a plein de problèmes avec lui. Il a plein d'objets qu'il doit transporter. Il ne va pas tout laisser sur place. C'est toute sa fortune, je ne sais pas. En théorie, peut-être qu'il faudrait. Bonne question. Alors, on va mettre ça sur table, on va voir. Comment peut-il procéder? Porter à Shabbat, c'est assour. Mieux que ça, même s'il est avec son chamor, il est avec son âne, et ben mettre sur l'âne pour que l'âne porte, c'est en soi-même un problème, il faut savoir. Il y a un interdit, mais forage dans la Torah, Lota se kol malacha, ata, uvem techa. Et tu ne feras pas de malacha, ni toi, ni ton animal. Et de là, on déduit l'interdit de mechamer, l'interdit de travailler, de faire un travail avec son animal, faire porter son animal. Je n'ai pas le droit de charger mon animal pour qu'il porte mon Shabbat pour moi, je pense que c'est un interdit de la Torah. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux procéder? Sur ça, on a la Mishnah qui me dit, Mishé Yershich Baderer, celui qui a eu le chosher, la nuit qui a commencé à tomber alors qu'il était en route, Noten kisol enochri, grand chidouche, il pourra donner sa bourse au goy. S'il est avec un goy sur lui, il pourra dire à un goy de la lui porter. Il y a en cela eu un très grand chidouche, parce que je n'ai pas le droit de faire un travail à Shabbat avec un goy. On l'a déjà appris. On l'a appris qu'il y a un miral et goy à Shabbat qui assoura. Il y a même dans certaines situations où comme on a appris avec l'histoire du cercueil, que à jamais on ne pourra plus l'utiliser ce cercueil même. Dans certaines situations, en tout cas, quoi qu'il arrive, je ne peux pas profiter de l'interdit pendant Shabbat. Là, Chachamim, ils ont fait une koula spéciale, une permission spéciale. Pourquoi? Parce que Chachamim, ils disent Yardou les sauf d'Ato Shaladam. Ils ont bien analysé n'importe quel homme que l'on réagit naturellement. Et ils ont vu que si tu interdis ça, alors si tu lui dis les sauf d'argent, il ne va pas pouvoir s'en tenir. Il va forcément transgresser l'interdit de Shabbat. Du coup, Chachamim, ils ont dit il vaut mieux que, a priori, on va lever un petit issour qui n'est que d'ordre des Rabbanan, en l'occurrence Amiral Enochri, dire à un goy de faire une Avera, ça interdit que mi des Rabbanan, ou plutôt peut-être mi divers fruits, mais éventuellement, mais en tout cas, quoi qu'elle reste, c'est pas interdit par la Torah. Je préfère lever cet interdit-là, plutôt que de lui dire que c'est interdit, et que finalement n'importe quel être humain moyen va, n'importe quel juif moyen va transgresser l'interdit de Shabbat. D'accord? C'est un très grand chidouche, c'est relativement rare que Chachamim fasse des permissions pareilles, mais là, ils ont estimé que oui. Et donc, on a dit, Noten Kisol Nochri, il devra donner sa bourse au Goy. Maintenant, Veimen Imo Nochri, si toutefois il n'y a pas de Goy avec lui, alors il y a une autre solution, c'est que Manicho Alachamor, il devra le poser sur l'âne. Mais alors là, il faut une précision supra importante, parce que je vous ai dit que l'interdit, cette fois-ci, ça, c'est pas un interdit que Chachamim peut se permettre de lever. C'est un interdit par la Torah, Chachamim ne peut pas lever un interdit de la Torah. Je ne peux pas poser, moi, ma bourse sur l'animal et que mon animal il va se mettre à marcher pendant Shabbat. Alors comment Chachamim ils ont permis? Vous voyez qu'il y a un embarquement, en fait, il nous explique comme ça. Vous vous rappelez que pour porter à Shabbat, il faut Akira, Hotsa'a, Anacha. Trois étapes. Lever, porter, transporter, passer de domaine, et puis poser. D'accord? C'est la première Mishnah de Shabbat. La Yetziot HaShabbat, Shem Shaner Babifnim, là-bas, c'était ce qu'on apprenait. Le grand Yesod, la grande règle de Shabbat. On transgresse l'interdit de porter que si on fait Akira, on prend l'objet d'ici, on le transporte, et je le pose. À exclure, si je ne prends pas l'objet d'ici, c'est quelqu'un qui me le met sur moi pendant que je suis en train de marcher. Attention. Attention. C'est-à-dire, je m'explique. Si pendant que je marche, je suis chez moi à la maison, je marche, quelqu'un vient, il me met dans ma main un objet. Et je sors avec dans la rue, et je le pose après, même si vous voulez, et ben je ne transgressais pas l'interdit. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui ai fait l'akira, c'est pas moi qui ai déraciné l'objet. J'ai juste transporté l'objet et je l'ai même posé
J'ai pas transgressé l'interdit parce que j'ai pas fait les trois étapes. J'ai pas fait Akira, déraciner, lever l'objet, transporter et puis reposer. D'accord? Selon ce principe, maintenant, alors la permission qu'on te permet de transporter ta bourse avec l'animal, c'est le même principe. Tu attends que l'animal va commencer à marcher et lorsqu'il marche, tu lui poses la bourse sur lui. Tu poses la bourse, maintenant l'animal il marche, il va ensuite transporter pendant Shabbat, mais il n'a pas fait la Akira, il n'a pas déraciné l'objet. Et puis après, lorsque tu sens que l'animal il va se reposer, tu la reprends. Et dans ce cas-là, il n'a pas fait non plus la Hanacha, tu as fait de protection. D'accord? Et on continue la Mishnah. Igia le Chatser Achitzona. Si maintenant, lorsqu'il va arriver au Chatser Achitzona, à la cour externe, c'est-à-dire, bon, là on a parlé qu'il était dans le désert, il ne pouvait pas tout abandonner. Maintenant, il arrive en ville. Dès qu'il a moyen de se débarrasser de toute cette charge, alors il devra le faire, il ne pourra plus transgresser. Comment il va procéder? Igia le Chatser Achitzona. S'il arrive à la cour externe, la première cour où les objets peuvent être là-bas préservés, eh bien, Notel Atakeli Manitelen Shabbat. Il fait rentrer son âne dedans. Les objets qu'il peut transporter pendant Shabbat, c'est-à-dire qui ne sont pas mouktés, il les prendra et il les posera normalement. Par contre, Veshe Enan Nitalin Beshabbat. Mais les autres objets qu'il ne peut pas transporter pendant Shabbat, parce qu'ils sont mouktés, toutes sortes d'objets, ça peut être, d'accord, il peut transporter toutes sortes de matériaux qui sont... Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne pourra pas les descendre de l'âne. Mais comment il peut devoir faire? Matira Tachavalin, il devra ouvrir les sangles. Et les sacs vont tomber de même, sans que je les transporte activement, pour ne pas transgresser l'interdit de transporter, de déplacer un objet mouxé pendant Shabbat. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.